depuis son avènement à la tête de la République démocratique du Congo comme cinquième président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a initié plusieurs projets. La République démocratique du Congo s'est transformée en un chantier à ciel ouvert. Aujourd'hui, nous allons vous amener dans la province du Kasaï central pour vous présenter quelques projets initiés, matérialisés, terminés et d'autres qui sont encore en cours d'exécution dans cette partie de la République démocratique du Congo. En deuxième partie de ce numéro, vous allez suivre la journée d'échange entre le député national de la province du Kasaï central et le directeur général du bureau central de coordination, Jean Mabi Moulumba. Il a fait une restitution devant ses députés pour présenter les différents projets initiés par le chef de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. À la fin, ils ont fait une déclaration que vous allez suivre au cours de ce numéro. Mesdames et messieurs, ainsi se présente le menu de ce numéro. Bienvenue. Je vous le disais tantôt, il y a plusieurs réalisations, plusieurs projets initiés par le chef de l'État qui sont en cours d'exécution et d'autres terminés dans la province du Kasaï central. Nous avons fait un reportage récapitulatif pour vous permettre d'avoir une idée de ce qui se fait dans cette partie de la RDC. Regardez. Il existe plusieurs projets initiés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Kasaï central, comme dans toute la République démocratique du Congo. Des travaux qu'ils exécutent concomitamment partout. La République démocratique du Congo, la RDC, est depuis un certain temps un grand chantier à ciel ouvert. Aujourd'hui, focus sur le grand projet initié durant le premier quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province du Kasaï central. Le PEDEL, 145 territoires par exemple, un programme créé pour réduire les inégalités et répondre aux préoccupations de populations à travers toute la République démocratique du Congo et surtout dans le milieu rural. Après avoir réceptionné personnellement d'une manière symbolique l'école Épée Akilidé à Kasenga dans la province du Haut-Katanga, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait donné les go et l'autorisation aux élèves de toute la République démocratique du Congo de prendre possession de leur salle de classe. Question d'étudier dans de meilleures conditions. C'est justement la raison qui explique la réception dans le Kasaï central de l'école Épée Mwanabuté, construit dans le cadre du PEDEL 145 territoires à Kazumba par le gouverneur Kabeya John Shikai, qui était en compagnie du directeur général du bureau central de coordination Jean Mabi Moulumba. Le PEDEL 145 territoires est une réalité qui se matérialise à ce jour. Il y a 27 ouvrages construits dans la province du Kasaï central, soit 16 écoles,
et 11 centres de santé. Concernant la route Kalambambouche, les travaux se poursuivent encore. Témoignages et illustrations du plan stratégique de ce projet. Mais le projet ici concerne 225 km. Pourquoi ? Parce que les 20 premiers kilomètres appartiennent à la route nationale numéro 1. Okay. Et ici, nous sommes sur la route provinciale RP numéro 709. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de 250 km ici, on a 230 km. Oui, voilà. Et nous travaillons 225. Il resterait encore 5 km à peu près entre le centre de Kalambambouche et le fleuve, et la rivière Kassai. Oui. Donc vous êtes suffisamment avancé déjà à ce jour? Oui, oui, oui. Nous travaillons, en fait, les travaux se font en trois phases. Oui. Le but ultime, c'est d'asphalter. Oui. Mais on ne peut pas asphalter une route alors qu'il y a un trafic actuel qui a été coupé à cause du mauvais état de la route. Je vois, vous êtes en train de recharger. Oui, vous rechargez et puis il y a le remblayage. Oui, donc nous avons dans la première partie, c'est la partie réhabilitation de la route. Donc permettre que le trafic reprenne entre l'Angola, hein, parce que la route en fait va à la frontière avec l'Angola, que le trafic reprenne entre l'Angola et le Kassai. Attends, professeur, vous disiez que la première phase de ces travaux concerne la réhabilitation. Oui. Et la deuxième phase concerne quoi? L'asphaltage. Non, oui. D'abord l'entretien. Oui. On devra maintenir cette route jusqu'à l'asphaltage. Oui. Ça, c'est une phase d'entretien qui va suivre. Oui. Mais déjà ici, donc si nous comprenons bien, depuis que vous avez commencé, vous ne faites que le remblayage, le rechargement. En fait, dans la partie réhabilitation, oui, hein, il y a aussi des composantes. La première composante, c'était ouvrir la route. Ça n'existait pas, cette route n'existait pas. Elle existait, mais elle était réduite à une très petite piste. Et combien de mètres de largeur? Non, il y avait des endroits où il n'y avait que 4 mètres. Donc, de largeur. Oui, les véhicules ne se croisaient pas. Ok. Alors, première phase, ouvrir, aplanir. Aplanir la route, ouais, pour que la route soit visible et que le véhicule puisse se croiser, ouais, et que même s'il y a un véhicule qui s'en sable, les autres puissent passer. Okay. Cette phase-là, nous avons déjà fait 90 ou 90 km. Donc vous avez élargi la route. Oui. Alors sur le plan de la largeur élargie, aujourd'hui c'est à peu près combien de mètres de largeur? 14 mètres, nous avons une plateforme de 14 mètres. Donc là ça nous donne à peu près 2 fois 2. Il y a deux fois. On prend la largeur logique, oui, qui est sur le gabarit de route avec 3,5 mètres, ça fait 7 ça mètres. Ça nous fait 2 fois 2. Oui, ça fait une largeur de 7 mètres. Oui. Ok. Quand il peut prendre deux véhicules en charge aller et deux autres pour le retour. Non, quand on va se parquer, oui, il y aura seulement 7 mètres. Ah ok, vous allez revenir au format de 7 mètres. Voilà, et okay, il y aura la possibilité de deux véhicules de se croiser. Oui, oui, oui. Parce mais maintenant, c'est une autoroute nous avons, quand même. Oui. Oui, nous avons les accotements, oui, hein, qui sont inclus. Nous avons la partie où il y aura des fossés, parce qu'on va creuser là-dedans. Oui. Donc tout ça, ça fait 14 mètres de plateforme. Et ces 14 mètres, après donc la phase d'ouverture, de nettoyage, vient la phase d'assainissement. En rapport avec les travaux de la voirie urbaine, le projet des 42 km lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la société Safrimex qui exécute ces travaux est très avancée avec les travaux d'assainissement, comme vous pouvez le constater sur ces images. De signaler qu'une route en construction, les travaux commencent d'abord par la construction des caniveaux, c'est-à-dire les travaux des assainissements, pour une meilleure qualité de route.
je suis très heureux parce que nous avons reçu le DG de la BCECO et le DG de l'OVD. Ensemble avec le gouverneur, nous avons fait une tournée pour inspecter les chantiers en cours. Maintenant, moi, en tant qu'opérateur économique, je suis surpris parce que nous sommes toujours au centre-ville. Maintenant, je suis surpris parce que j'ai vu il y a beaucoup de chantiers. Vous savez, ici chez nous, au Kasaï Central, nous venons de très loin. Notre voirie ici date depuis l'indépendance, depuis plus de 60 ans. Il n'y a jamais eu de travaux comme ça. Et j'ai vu que la province elle est transformée en chantier. Vous savez, nous sommes au centre-ville, mais la vie, ce n'est pas seulement au centre-ville. Oui. Mais nous avons vu, il y a beaucoup de têtes d'érosion. Et nous, on avait seulement des informations qu'il y avait des têtes d'érosion, surtout avec la pluie du 26 décembre ici, qui a paralysé toute la ville. On a des informations, mais c'est aujourd'hui ou hier, là, on a fait la tournée, on a vu qu'il y a vraiment des chantiers qui sont ouverts. Et ce sont des chantiers qui me donnent, moi, beaucoup de garanties en tant qu'opérateur économique, parce que je comprends que peut-être d'ici une année, deux ans, Kananga sera transformée. La province est transformée en chantier. Non seulement il y a les travaux de la voirie, mais il y a la lutte intense contre les érosions. Il y a aussi les bâtiments publics qui sont pris en charge. Donc toute la ville, toute la province est transformée en chantier. Tel que vous voyez là-bas, je peux me dire que je suis entrepreneur parce que je suis dans ce domaine de construction. J'ai construit moi-même mes écoles, j'ai les hôpitaux, j'ai vu la qualité de travail. Je ne peux pas parler des choses que moi je n'ai pas vues, j'ai vu la qualité. C'est du lourd. Moi-même je me dis, mais ici à Kananga, parce que je parle de ma province, c'est du jamais vu. C'est du lourd, c'est du sérieux. Des matériaux qu'on est en train d'utiliser pour les chantiers. Parce que vous savez, souvent ici, quand on recrute des entreprises, souvent ils vous font n'importe quoi. Après une pluie, deux pluies, tout est emporté. Mais ce que moi j'ai vu, je suis confiant. Pour l'électrification de la province, un projet salutaire de construction d'une chute de 20 MW, chute Mbombo, va bientôt commencer. Les études ont été déjà faite est complètement terminée et même le contrat entre les deux parties a été déjà signé. Ces travaux, une fois terminés, pourront bien répondre aux problèmes d'électrification de la province du Kasaï Central. Je m'appelle Monsieur Pierre Loabea Mukendi, ingénieur. Je m'occupe de la conception au fait de la centrale hydroélectrique qui sera érigée à cet endroit au niveau de Chute Mbombo. Donc pour revenir à votre question, oui, on va ériger ici une centrale hydroélectrique environ de 20 MW. Le site, on parle d'un potentiel à peu près de 50 MW. Mais il y a certaines contraintes qui ne vont pas nous permettre d'aller chercher le 50 MW qu'offre le potentiel du site. Sinon, actuellement, on est comme en train de finir la phase des études. Si on pouvait vraiment faire une chronologie, on dirait qu'il y a une phase où c'est plus le maître d'ouvrage qui recrute au fait nous, qui sommes le bureau d'études, qui recrute un entrepreneur. Donc il y a cette phase-là. Aussitôt qu'ils sont recrutés, vous comprenez que c'est pour préparer les études. Et une fois que les études sont préparées, on prend toutes ces études-là, on remet dans le main de l'entrepreneur qui va construire et lui va réaliser l'ouvrage. Et nous, on va revenir en arrière pour s'assurer que l'entrepreneur travaille tel que nous, on avait prévu, tel qu'on a conçu nos plans et devis. Alors, sur les trois étapes, la première étape, elle a déjà été faite. Donc, on parle des autorités de la province qui travaillent avec le BCECO. Eux, ils ont engagé donc, tout ce qui est la partie
Génie Conseil pour concevoir. Donc c'est nous, on est là, on est en train de concevoir. Donc la première étape de conception, elle est complètement finie. On est dans la deuxième phase qu'on appelle les documents définitifs. Et dans cette deuxième phase-là, elle avance, elle va finir d'ici 4 mois. Mais il y a des choses qui ne sont pas, qui ne demandent pas assez que les études finissent complètement. Étant donné que l'entrepreneur est déjà là, il est déjà choisi, donc il y a certaines études, ok, qui peuvent déjà débuter. Je donne l'exemple, la route d'accès des 10 km qui va partir de Kananga pour arriver jusqu'au site. Tous les documents définitifs sont déjà finis et prêts et sont dans les mains de l'entrepreneur en ce moment qui se déploie. Déjà, je crois que nous sommes avec le représentant de l'entrepreneur MC en ce moment, Moderne Construction. Donc ça, c'est une des parties qui est finie, par exemple, au niveau des études. On a une autre partie qui est, par exemple, la ligne. Elle aussi, elle va sortir, donc c'est la prochaine étape. Pendant ces temps-là, l'entrepreneur aussi est en train de s'installer, puisque l'installation du chantier, c'est un grand chantier là sur 2 ans quasiment. Et l'entrepreneur doit s'installer. Ça s'installe. 2 ans, c'est la durée des travaux. Ouais, bah on parle de 18 mois, mais il faut compter aussi les études. Les 18 mois, c'est vraiment l'exécution de travaux. L'entrepreneur est installé et il exécute les travaux. C'est là qu'on compte les 18 mois, c'est l'exécution. Mais le projet en soi, c'est quasiment 2 ans parce qu'il faut compter les temps de tout ce qu'on a déjà passé comme préparation. Une nouvelle morgue a été construite dans la ville de Kananga. Une morgue de 54 places en remplacement de l'ancienne de 9 places. Ici, les travaux réalisés par la société Safrimex sont complètement terminés. Témoignage des gens à Saka. On a visité cette nouvelle morgue. C'est vraiment un travail professionnel, un travail de qualité. Parce que vous savez, depuis très longtemps, depuis des années, on avait le problème ici des morgues à Kananga. Avant, on enterrait le même jour parce qu'on n'avait pas de morgue. Et il y a un moment où Chika, j'y avais servi un peu, mais c'était tombé en panne. Et même ici, sur place à l'hôpital général, les places ne sont pas, les places sont insuffisantes. Et maintenant, avec 54 places et puis avec cette nouvelle bâtisse, vraiment, c'est une solution pour la population de Kananga. Parce que nous, on s'est demandé, mais un jour, on pouvait mourir, mais comment est-ce qu'on... Parce que sinon, il faut faire le deuil les jours suivants. Mais maintenant, quand même, on a une solution. Et donc, c'est vraiment un travail à encourager parce que j'ai visité, c'est vraiment professionnel. C'est un travail de qualité. C'est un travail. C'est notre morgue ici, c'est moderne. C'est moderne, ce n'est pas une ancienne construction. Donc vraiment, c'est à féliciter. Mais seulement, nous allons demander qu'on puisse nous ajouter de l'eau parce que je n'ai pas vu une source sûre d'eau. On nous a informé qu'il y a un raccordement de l'Agie des eaux. Mais vous savez que ça fait maintenant 1 mois à Kananga, on n'a pas de l'eau. Et dans une maison comme ça, on ne peut pas manquer de l'eau. Mais pour le courant, ils sont autonomes. Ils ont des panneaux solaires, ils ont un groupe de 60 kVA, donc là, il n'y a pas de problème. Et que pouvez-vous répondre, M. Jean Assaka? Vous savez, nous voyons à longueur de journée des politiciens d'ici qui disent qu'il n'y a rien qui est fait ici dans cette ville du Canada. Mais oui, je vous ai dit, quand les gens n'ont pas vu ce qui est fait, c'est comme pour la voirie, c'est comme pour la lutte anti-érosive. Parce que tout ça, on a préféré commencer un peu dans des zones reculées. Ce qui fait qu'au centre-ville, on ne voit rien, c'est normal. Mais là, ça fait maintenant 3 jours que nous sommes sur le terrain pour visiter ce qui est fait. Maintenant, nous avons compris que nos amis, nos politiciens et consorts qui disent qu'il n'y a rien qui est fait, c'est faux. Il y a un travail qui est en train d'être fait et je pense que peut-être dans 2 ou 3 ans, je pense 3 ans c'est beaucoup, les gens seront surpris. Parce qu'à partir du moment où on va commencer à remplir les canalisations, on a déjà tracé tout ça. Donc dans 2 ans, nous aurons notre ville qui sera déjà qui sera asphaltée partout. Et vous avez vu notre morgue. Quelqu'un qui n'a pas vu, il ne va pas dire qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Moi maintenant j'ai vu, je ne peux pas dire ça. Vous serez le porte-parole de ces sociétés, de ces entreprises qui travaillent à longueur de journée pour
doter des infrastructures de qualité à la population kananguaise. Encore que je pense que c'est Safrimex qui a, oui, qui a réalisé cet ouvrage. Donc oui, voilà, c'est ça. C'est le moment de demander au gouvernement central de faire sa part, parce que Safrimex a fait son travail, mais maintenant, il faut que Safrimex puisse entrer dans ses droits, parce que nous avons appris, je l'ai dit avec réserve, nous avons appris que Safrimex est en train d'utiliser son argent, mais maintenant, pour que Safrimex puisse continuer le travail, parce que Safrimex a fait un grand travail sur la vie de Kana, un grand travail, et si le gouvernement central ne fait pas sa part, nous risquons d'avoir un frein. Et avec tout ce que Safrimex a fait, s'il y a un retard de paiement, avec les pluies qui vont commencer, je pense que ce travail-là risque d'être anéanti. Mais nous espérons que le gouvernement central, avec les cris d'alarme que nous lançons maintenant, le gouvernement va se prendre en charge pour faire sa part. Université de Kananga, UNICAN. Ici, des grands bâtiments sont sortis des terres et les travaux se poursuivent. Mais nous tenons ici à signaler, les travaux sont en cours d'exécution et une tête d'érosion menace juste à côté, à 2 minutes de ces grands bâtiments, pour faire disparaître ce grand projet. Nous profitons ici pour lancer un appel et demander l'implication du chef de l'État pour des travaux d'urgence de lutte anti-érosive. Athénée Royal de Kananga, une grande école avec une capacité d'accueil de 20 000 élèves. Ici, les travaux sont déjà à 89% en ce qui concerne le taux d'exécution de ces travaux, comme le confirme l'architecte David Kamba. Ici, je suis l'architecte David Kamba de la mission de contrôle du bureau d'études CREST. Là, on est sur le complexe scolaire de l'Athénée Royal de Kananga. On est en train de réhabiliter ce complexe scolaire qui il a la superficie de 16 hectares. 16 hectares. 16 hectares de superficie où on aura pratiquement 20 grands bâtiments, mais subdivisés en 3 parties. On a 200 salles de classe parce que par rapport à la capacité d'accueil, oui, avant qu'on puisse réhabiliter ces complexes scolaires, il y avait pratiquement 5000 élèves, oui, qui abritaient le complexe scolaire. 5000 élèves, matin et soir. Matin et soir. C'est-à-dire 2500. Ce sont des détails que nous devons bien expliciter aux téléspectateurs qui nous suivent pour voir l'ajout et l'impact du travail qui a été réalisé. Exactement. Oui. Juste après ça, oui, après la réhabilitation, on est passé de 5 000 à 20 000 élèves pour 2 vacations. C'est-à-dire 10 000 l'avant-midi et 10 000 l'après-midi. Donc 200 salles de classe, là nous allons faire 200 fois 50. Oui, 200 fois 50. Parce que normalement l'UNESCO exige qu'il y ait 50 élèves en moyenne par salle de classe. Exactement. Donc ici on aura 10 000 élèves l'avant-midi et 10 000 élèves l'après-midi. Tout ça s'entre dans le cadre de réalisation du Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République. Exact. Alors, mais à quand la fin de ces travaux, mon frère? Bon, normalement, on devait finir le travaux au mois de novembre, pardon, au mois d'avril ici. Fin avril sera la fin. Fin avril 2024. Oui. Mais j'étais ici l'année passée, il y a 5 mois, je vous rappelle, on a réalisé une émission avec vous. Ici, vous m'avez dit que c'était avant la fin de l'année 2023. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qui est à la base aujourd'hui de ce retard enregistré? Ok, personne ne peut l'ignorer que Kananga est vraiment enclavé. Pour arriver à Kananga, il faut passer par Tshikapa et puis Tshikapa, arriver à Kananga. Au contraire, par la voie ferrée de Lubumbashi, ici à Kananga, ou la voie de l'Angola. Oui. Mais présentement, avec la pluie, avec tout ce que nous savons par rapport à la route,
Donc la ville de Kananga est vraiment enclavée et puis on a la difficulté de s'approvisionner facilement avec le matériau importé, entre autres le ciment. Si nous prenons la route de Kananga, de Kananga ici à de Tchikapa, pardon, ici à Kananga, ça nous prend 2 semaines pour approvisionner. Et le camion qui nous amène des ciments pour approvisionner ici, c'est pratiquement 400 sacs de ciment. Mais si nous regardons la capacité de ces chantiers par rapport au nombre de sacs de ciment, on en a des milliers parce qu'on peut utiliser plus de 40 000 sacs de ciment. Mais si on vous approvisionne avec 400 sacs, donc c'est vraiment insignifiant. Voilà, c'est vraiment dans la difficulté que vous avez ici. Si je comprends bien, c'est la pénurie des ciments. La pénurie des ciments et l'approvisionnement. Donc ça nous prend 1 mois pour que le ciment soit approvisionné ici à Kananga. Donc c'est ça la difficulté. Les travaux de lutte anti-érosive dans la province du Kasaï central se poursuivent car cette province est remplie d'érosion qui menace même à faire disparaître cette ville. En dehors des travaux de lutte anti-érosive, nous pouvons compter les travaux de modernisation et de réhabilitation du bâtiment de l'Assemblée provinciale, du gouvernorat et même de la résidence du gouverneur. Les travaux restent à faire ici. Les opérateurs économiques, les députés de la province du Kasaï central et sénateurs ont aussi un rôle à jouer. Ici, nous tenons à nous poser une question.
Où sont passés les opérateurs économiques de cette partie de la République démocratique du Congo? Pour 2024, quelle est la hauteur du crédit que l'autorité budgétaire a réservé pour la bonne exécution de ce projet? Quelle réflexion que le secteur privé du Kasaï central mène pour tirer profit et créer des emplois dans la province? Le président de la République a fait sa part et vous aussi, vous devez faire votre part. Ils ont eu une journée d'échange avec le directeur général du bureau central de coordination, Jean-Mabi Moulumba, les députés nationaux de la province du Kasaï central, qui ont été édifiés par le directeur général du bureau central de coordination, Jean-Mabi Moulumba, au cours d'un échange. Je vous convie à regarder cet échange qui a été sanctionné par un message de ces députés de la province du Kasaï central. Regardez et on se retrouve juste après. Le bureau central de coordination, le BCECO, a organisé ce mercredi 3 avril 2024 une journée d'information à l'attention des élus de la province du Kasaï central. Cet exercice, qui s'inscrit dans le cadre de la transparence et la redevabilité, a permis au directeur général du BCECO, M. Jean-Mabi Moulumba, de brosser, de présenter un tableau complet de tous les projets qui sont en train d'être exécutés dans cette partie de la République. Au sortir de cette séance de travail, les députés nationaux du Kasaï central ont exprimé leurs sentiments. Nous avons voulu rencontrer Monsieur le directeur général du BCECO pour passer en revue les projets ou le programme structurant qui ont été initiés sur l'ensemble du pays et particulièrement dans la province du Kasaï central. Et là, pour ce qui nous concerne dans cette partie de la République, vous savez que le président de la République avait initié un programme ambitieux de 145 territoires. Et il était question pour nous de savoir aujourd'hui où en sommes-nous avec ce programme de développement de 145 territoires. Et cela a permis à ce qu'avec le DG, nous puissions passer en revue, circonscription par circonscription, l'état d'avancement de ces travaux. Et nous pensons que nous sommes suffisamment informé sur l'évolution des travaux. Il y a là où les travaux ont été complètement achevés et même livrés déjà à la population. Il y a où, là où les travaux sont en cours d'exécution pour des difficultés liées bien entendu pas au manque de financement, mais bien entendu par le fait que l'acheminement des matériaux de construction à ce jour pose problème dans certains coins de la République. Vous pouvez vous imaginer, vous rendre compte qu'on peut acheminer, transporter les ciments à vélo pour que ça soit acheminé, comment conduit jusque sur les sites de construction. C'est un problème, c'est une difficulté assez sérieuse. Et raison pour laquelle qu'on peut estimer la durée des travaux à 10 à 12 mois, mais avec ces contraintes d'ordre technique, et voilà que la durée va au-delà des estimations normales. Et du programme de 145 territoires, nous sommes passés à la voirie urbaine de la ville de Kananga.
Et là, il était question également de voir comment évoluent les travaux de la voirie urbaine. Et certes, nous avons compris le contour de ces projets. Et nous avons également examiné la question de la lutte anti-érosive, qui, comme vous le savez, il y a eu même des pertes en vie humaine. Et c'est ce que nous regrettons et déplorons en même temps. Et, mais le gouvernement a déjà déployé le moyen et que l'entreprise Safrimex est à pied d'œuvre et les travaux évoluent correctement. Et de là, nous avons poursuivi également nos échanges pour ce qui concerne les travaux de la route de l'espoir, qui est la route de Kananga Kalambambouji. Et c'est là que nous avons des grandes inquiétudes. Nos préoccupations sont basées sur le fait que l'état de la route aujourd'hui est totalement impraticable et que le transport de personnes qu'est de biens n'est pas facilement opérationnel sur cette route. Et là, le problème le plus important, c'est qu'il y a eu le placement des engins, donc les matériels qui sont partis de la province du Kasaï central pour la province sœur du Kasaï, et ce qui fait que l'entrepreneur a dû violer les dispositions contractuelles. Et nous pensons qu'il va revenir au bon sens. Nous allons bien entendu également le revoir pour échanger avec, de sorte que ces engins, que ce matériel soit sur les sites où cela a été disposé afin que les travaux soient poursuivis. Et au-delà de tout, c'est une route en terre battue où c'est seulement le compactage qui devait être fait, mais nous aurions souhaité que ce soit une route bien entendu asphaltée. Et nous allons nous battre en tant qu'autorité budgétaire, que nous puissions disposer des moyens, des ressources budgétaires importantes afin que la route soit construite. Et pour terminer, nous avons chuté sur la situation de Chitumbombo, c'est-à-dire pour fournir l'électricité dans la ville de Kananga. Il y a les travaux, les études de faisabilité qui sont en train d'être menées par des spécialistes. Et dès que ces études seront à terme, nous pourrions cette fois-là compter les 18 mois d'exécution des travaux. À date, ce que nous pouvons dire est que les Chitumbombo, nous sommes en phase d'études de faisabilité. Et ce que nous devons mener en tant qu'autorité budgétaire, c'est la recherche des ressources financières nécessaires pour que les travaux soient exécutés dans les 18 mois. Et ça, nous l'avons compris et nous voudrions que cette communication soit retenue pour éviter la distorsion de l'information entre les réseaux sociaux et la réalité que nous pouvons rencontrer chez les responsables ou les décideurs. Donc nous devons éviter de nous ressourcer beaucoup plus dans les réseaux sociaux, mais venons auprès des décideurs pour pouvoir avoir la bonne information et informer ainsi toute la population. Voilà de manière substantielle ce que je peux dire à cet instant. Le message que nous pouvons adresser à notre population, c'est que les députés nationaux élus de la province du Kasaï central sont à pied d'œuvre pour que jamais qu'il y ait de morts-nés, donc de projets morts-nés. Nous en avions connu avant nombreux, mais nous ne voudrions plus encore avoir de morts-nés. Donc nous voudrions cette fois-ci que lorsqu'un projet a été annoncé et que le projet est lancé, que cela arrive jusqu'à terme. Et donc voilà la raison pour laquelle nous sommes tous mobilisés, nous sommes tous debout pour que tout ce qu'il y a comme projet que j'ai énuméré précédemment soit réalisé et qu'ils peuvent compter sur nous, que nous n'allons non plus ménager nos efforts pour que ces projets soient bien exécutés dans la partie centrale de la République démocratique du Congo. Ainsi s'achève ce numéro. Merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Je tiens à vous signaler que nous avons fait un focus sur les grandes réalisations du président de la République dans la province du Kasaï central et même de la journée d'échange entre le député de ce coin de la République et le directeur général du BCECO. Merci, on se retrouve au prochain numéro pour mieux vous informer sur la réalisation des différents projets initiés sous l'impulsion du chef de l'État à travers toute la République démocratique du Congo.
une seule adresse, RDC Infrastructure et Développement. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo pour ne rien rater. Merci et on se retrouve au prochain numéro. Au revoir.